1974, Matra a engagé 4 voitures avec les équipages suivants. Pescarolo Larousse, le tandem vainqueur de l'année précédente, Beltoise Jarier, Jabouille Migaud et Josso Volek-Dolem. Pendant que les derniers réglages sont opérés sur les voitures par les mécanos, les pilotes, eux, sont mis au vert entre détente et séance d'interview. Matra, 11, premier. C'est ça, alors. Professeur Beltoise, vous êtes toujours à la recherche d'une victoire au Mans, ça vous manque? Ça me manque dans le sens que quand on prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Et les 24 heures, c'est très fatigant. Alors si t'as un moteur qui n'est pas souple et tout critique sur l'intérieur, tu vas mettre des pneus de 25 pouces, mais avec des 12 pouces intérieurs. On connaît maintenant la répartition des pilotes dans l'écurie française. 4 Matra, numéro 6 Beltoise Jarier, numéro 7 Pescarolo Larousse, numéro 8 Volek Dolem Josso, numéro 9 Jabouille Migaud. Les pilotes sont réunis dans un château à proximité du circuit où ils recherchent surtout la décontraction, entretenant ainsi la forme physique indispensable pour une course d'endurance. A noter d'ailleurs que la bonne humeur règne au sein de cette équipe française. Les premiers essais auront lieu ce soir à 17h au programme des pilotes, déjeuner, sieste, exercice physique, et ce sera l'heure de se rendre au circuit. Les Matras prennent immédiatement la direction de la course. À la fin du premier tour, Pescarolo est en tête, suivi de près par Jarier et Jabouille. À 4 secondes derrière, on trouve Belle sur Mirage et Josso sur la quatrième Matra. Les Matras creusent rapidement l'écart. Au second tour, la Mirage est maintenant à 10 secondes derrière Jabouille et toujours talonnée par Josso. À la fin de la première heure, Josso a réussi à passer la Mirage, offrant les 4 premières places aux 4 Matras. À 19h36, Jarier, qui vient de relayer Beltoise, s'élance dans la ligne des stands. Mais sa trajectoire est coupée par la Porsche de Keller, qui a quitté son stand sans attendre l'autorisation du commissaire de piste. L'accident est inévitable. Le train avant de la Matra est ouvert, capot enfoncé. La raison de cet accident, c'est que
le commissaire sportif va revenir la voiture quand une autre voiture est en train de rouler sur la piste. La piste devant les stands n'a pas stoppé la Porsche quand elle a démarré, ou alors n'était pas là. Voici la résine de l'accident, uniquement. Ah, c'est dessous tout de même. Bien sûr, évidemment. Une longue immobilisation sera nécessaire pour la remise en état de la voiture, qui passera en conséquence de la deuxième à la 15e place au bout de 6 heures de course. La course est toujours emmenée par la Matra Simca Shell numéro 7 de Henri Pescarolo, Gérard Larousse. En deuxième position à 6 tours, nous avons la Turbo Porsche numéro 22 de Herbert Müller, Gijs van Lennep. En troisième position à 13 tours, la Gulf Ford numéro 11 de l'équipage de Red Bell, Mike Elwood. À 16 tours, en quatrième position, la voiture numéro 64 qui est en tête des voitures du groupe 4. Il s'agit de la Porsche Carrera de Clemens Schickentanz, Georges Loos. En cinquième position, à 16 tours également, la voiture numéro 9 qui est la seconde Matra Simca, celle de Jean-Pierre Jabouille et François Gambon. À 10h47, Pescarolo est immobilisé au Hunaudière après que sa cinquième vitesse ait brusquement sauté. Fidèle à son calme légendaire, il fait une rapide inspection de la mécanique. Le verdict est sans appel, il faut changer la boîte. Il embraye la troisième et réussit à rejoindre les stands. Oui, en fait, je me trouve près de Pescarolo Larousse. Vous savez que cet équipage domine ces 24 heures revenant de la Matra numéro 7. Larousse est à côté, Pescarolo est resté dans la voiture. Les mécaniciens vont tenter un pari qualifié par certains d'impossible, changer la boîte en moins d'une heure. C'est en fait une heure, l'écart qui existe entre les deux voitures de tête, c'est-à-dire la Matra qui dominait, alors comme il n'était pas permis de dominer depuis le début de cette course, et la Porsche Turbo qui est en deuxième position. Minutes, le pari était tenu, l'avance de la numéro 7 n'est plus que de 3 minutes 6 secondes. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est-à-dire moins d'un tour sur la Porsche Turbo. Les deux voitures sont reparties dans le même tour à 4 heures de l'arrivée. Rien n'est encore joué, c'est Pescarolo qui a repris le volant.